case de bleu là. Moi j'ai vu que c'est pas projet de la guerre, c'est projet de la paix. On achète la fouille chaque matin à 10 euros. À partir d'aujourd'hui, l'Afsar a un endroit où c'est du groupe de l'eau. Voilà, secrétaire, voilà, c'est secrétaire. Comme ça, tout papier, quand il dit, on a escarda ici. À droite, allez, allez, vous verrez à droite. À droite, ah, bon, tu sais que tu es là. Tani, cadre, y'a là, nord, cadre, droit, douce, rené, on est région, tout droit, douce, ré, maoué, monsieur, couche. Nitra petit blanche motorine de kilomètres de 200. Neuf. C'est nomade, c'est le commando, monsieur Rogli. C'est le commando nomade, monsieur Rogli, c'est le commando 2009. 10, 11, 12, 13. Angemana Gli, Angemana Digisich, palais présidentiel. C'est drogue, les droits et remènerai jusqu'à là, droit et remènerai. À droite, allez, un, deux, go. À la disposition des chefs de groupe 2. Voir ces jeunes hommes qui risquent leur vie pour la MINUSMA, mais à travers les ordres que nous, officiers supérieurs, nous montons dans nos bureaux ou dans nos shelters à Kidal, les voir les exécuter leurs ordres mais de belle façon, mener leur mission avec le sourire, avec insouciance, ils sont ouais, d'un courage parfois à la limite de l'insouciance, de l'intrépidité, mais qui est la marque des grandes armées et qui surtout sur le théâtre du secteur nord, ce théâtre difficile, un, en termes d'insécurité, deux, en termes de conditions climatiques, ils sont, c'est la troupe idoine pour mener le combat et pour faire appliquer le processus de paix dans la région. Mas batani dora. Face à face, terrain, checké. J'ai dit de dougouler 30 minutes. T'es un arbre de couture de l'eau. Lakin dogoro bo samare murtiyo ko sendi nyando durmer ere tanaga ta ere mishte apre mim durmer bo sadure dinu da wetir da ander degna mare garchena ga da bes tandar to sono terer choko yo 3 minuto na tandar to se ji ko la mante. Okay, my chef, ore va dia anti hoti na gra ha na re chira alas ajuza na chita vit alas. La population tchadienne en tant que telle,
on peut dire il est né guerrier même, puisque ça se trouve dans notre sang. Nous on ne recule jamais, nous on ne recule jamais parce que la tradition qui aussi nous oblige de faire, c'est qu'on ne peut pas le faire, mais on peut le faire. Tara cekis, ama kau itu runner. Tiap udah gak nih, dek misha maling air tu. Tara cekis beli sejen doh dek kerja runner cekis. Ama kaya untuk beli sejen doh. Orang nak gigi, awalnya ama kweri tara nak cekis. Ramara gak nama awal gue nih air tu gak natar. L'aspect sécuritaire, c'est l'aspect des actions terroristes, notamment du groupe Ansardine, qui là sont beaucoup plus imprévisibles, puisqu'il y a une très forte menace sur nos bataillons, et notamment le bataillon tchadien, lorsqu'il part patrouiller dans la région de Kidal, ou lorsqu'il part faire des escortes de convois. Donc la menace est protéiforme avec des IED, donc des mines sur la route, avec des IED à déclenchement par téléphone ou par à distance, je dirais. Donc là, la menace est réelle. Donc il y a eu, on a eu des morts au cours de l'année 2016 à cause des mines, bien évidemment, surtout des blessés. S'il y avait un grand nombre de pertes dans le contingent, par exemple le Tchadien, parce que c'est le contingent qui participe aux opérations de convois, par exemple logistique, de l'aménagement de Kidal, Anfis, d'Anfis, Aglohok, Atsalit. Et c'est la zone le plus dangereuse, c'est la zone qui est plus beaucoup plus contrôlée par le groupe non identifié. Alors, cette zone est très très hostile. On ne peut pas faire 200 kilos, 300 kilos sans avoir sauté sur une mine. Anda ni merokok ama cara nak dah kucik, bateri je under gurse tidur aja under, engah dia re mesti sahfrai nona, ni real tidur nona terus under kau biskuit, lantar dat mau tidur abis nona ya pergi under, ini tidur naya nak cik, tidur mana fitu nona gua under, aw mara rezeki aku ni madur teraga nak kap jendak, ama tanda ni madur tu kan ama, di teraf fokor druk. La tradition malienne et la tradition tchadienne restent la même chose. Il n'y a pas une différence. Nous, les Tchadiens, on a gagné la confiance, wallahi. À vrai dire, je vous dis, on a gagné la confiance de nos de populations de Nord Mali. Il fait froid, donc on a dit bien. Hein? L'énorme avantage qu'on a avec les Tchadiens, c'est la proximité avec la population. La proximité qu'ils ont du fait
de leur nationalité et du fait qu'ils soient africains comme, comme les gens du Mali et de leur religion. Le soldat tchadien est pieux, est un soldat pieux, et donc même s'il est ici pour la population locale, et même si nous avons l'ambition de réduire les groupes terroristes qui parlent entre guillemets au nom de Dieu, ça rassure la population de voir que les soldats déployés au nord Mali, dans une zone relativement insécurisée, sont africains comme eux, musulmans comme eux. تندام إذن الله الله لو كالتراو ولا مرتي ولا ميم ولا ينتر تندام الناس تقرب بيكو دوسان ما تودا الناس جاگا يانا ما درون جوانا تندام يرتروغ ناني تندام نرسي چي بسكو نرسي آي ني تندار لاو يني جندگي ري بيكو تندام يرتروغ ناني تندام نرسي چي دوسان الله چيري نرسي آو چي نگور نهارندر Mem belisir angge gua na, ya kan teman ni sih jono belisir angge guru haran druk. Tanda ini kan na Allah roh kaltra naun ni. Orang tu naga re, Allah orang yang dera re ini terhati. Fokus ada kerja. C'est ça que on porte pour nous protéger quoi. Ça c'est cette grigile là. Ça vient de loin. Quand on porte ça là, on va mettre en terre. Oui. Ça là. Voilà. C'est comme ça qu'on porte pour aller en mission là. Ça c'est pour notre vieux père, notre grand-père qui a nous donné ça pour protéger. Sans mettre ça comme ça. Tchadien. Voilà, c'est comme ça qu'on peut porter ça et faire la patrie. C'est ça notre grand-père qu'ils ont nous donné pour nous protéger. Et, sauf Dieu quoi. Ils ont fait ça avec le nom de Dieu. Notre grand-père nous donne, s'il te remet un cadeau de gris-gris, il te dit que mon fils, voilà ça, on a porté ça avant. Que tu n'es pas né, ça te protège, que Dieu te bénisse jusqu'à accomplir ta mission. Leur approche à la mort est totalement différente. C'est une forme de fatalisme, mais également une forme de... ça fait partie de la mission. Donc pour tout soldat, au niveau des Nations Unies, bien sûr, mourir au combat fait partie de la mission. Mais chez les Tchadiens, c'est exacerbé dans le sens où on passe à autre chose sans indifférence. Mais la rusticité et la combativité de ces soldats est assez étonnante.
patron, vous êtes dans le voyage, 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 vous ê